Zami famille Anouel Lakay, Leslie Voltaire, président conseil en transition, sur route pour révoquer ministre affaires étrangères là, madame Dominique Antipuy, pour faire plaisir à Caprice président dominicain Luis Abinadel. Eh bien, président conseil là, convoqué premier ministre pays, Gary Conille qui part là, qui était en tournée. Eh bien, Gary Conille débarqué, il fait un point de presse à l'aéroport Toussaint Louverture là, côté il détaillé bilan tournée li dans Émirats Arabes Unis et puis pays Kenya. Et mais t'allais que nous allons faire entendre quelques déclarations que il fait. Eh bien, selon Radio Télé Métronome avec un journaliste Gary Pierre Paul Charles, mais convocation ça, convocation PM non et conseil là jodi a gagné un seul objectif. Révocation ministre affaires étrangères la madame Dominique Antipuy pour position radicale li gagné face à déportation massive président Luis Abinadel qui pas respecté aucun éthique droit moun. Toute dernière intervention Dominique Antipuy pas fait Leslie Voltaire plaisir. Déjà que Leslie Voltaire a un gros problème avec madame nan sur ça qui était passé dans 79e assemblée générale Nations Unies donc dans New York. Eh bien, Leslie Voltaire li vle tête madame Dominique Antipuy. Donc en sous plateau an pour faire Luis Abinader plaisir. On regarde madame Dominique Antipuy. Dim nan dernier année sa yo ki moun ki très actif ki vle recadrer fi ki diplomatie haïtienne, ki montre souci pour sa k'ap passé nan pays. Non pas même besoin rentrer nan travail que li te fait nan UNESCO. Donc soubjou mon bois caïman côté que UNESCO reconnaît bois caïman site ça comme site révolte esclavio nous gagne kasav là ni pral enregistré dans UNESCO qui même j'ai avec Joumouan qui reconnaît là comme un patrimoine national. Donc madame n'a fait un paquet de gros travail. Donc récemment là dans UNESCO il se prend la parole côté que li et dénoncer donc déclaration ça que républicain Trump a fait sur haïtien yo dans Ohio et tout les dénoncer déportation massive que président dominicain Luis Abinadel a fait sur haïtien yo qui pas respecté aucun droit migrant yo. Donc l'ichita parlé avec un paquet d'gros entités pour faire pression sur dominicain pour respecter et droit haïtien yo. Eh bien Leslie Voltaire pour faire plaisir avec Luis Abinadel même gens que Ariel Henry te fait avec Claude Joseph nous rappelle non position que il te connait prend contre Luis Abinadel à chaque fois que Luis Abinadel te connait parler de Haïti. Eh bien Claude Joseph était toujours là pour répondre à ça. Eh bien Leslie Voltaire lui aller dans même sens là. Dans le même sens avec Ariel Henry, donc il est sur route pour lui révoquer madame Dominique Antipuy pour position que madame Dominique Antipuy prend contre déportation massive que président dominicain a fait aux haïtiens. On regarde Leslie Voltaire, zami famille Anouel Lakay. Leslie Voltaire qui seyon Lavalas. Monsieur sorti dans la famille Lavalas, il est représentant famille Lavalas, il prend tête et président conseil. Sous Jean-Bertrand Aristide, donc sous président Jean-Bertrand Aristide, il était ministre. Il n'a pas vraiment réglé rien sérieux que ça. Il était ministre. Donc c'est une année qui n'était pas de jambes en rien. C'est une année qui n'a pas fait rien et pour pays ça, qui contribuait dans toutes les dernières années, dans toutes les 20 années, 30 années qui sont passées là. Donc monsieur ça a contribué dans mettre pays ça dans ça que lié là. Jean-Bertrand Aristide qui était président, donc il était signé pour créer la médaille qui était. Crasé frontière non donc livre frontière en bay dominicain il vient faire que frontière la tourne ils ont pas soi zam a rentré et tout sous Jean Bertrand Aristide donc gen chimère tout bagay sa yo donc qui vraiment contribuer tout dans mettre Haïti dans sa que li là malgré que il fait quelques bagay qui bon mais ça nous pas ka oublier li donc crasé la médaille Haïti c'est puis yo nan pi gros bagay que Jean Bertrand Aristide lui même li fait et surtout Jean Bertrand Aristide te mette nèg chimè yo à la mode nan temps et monsieur Saoté là n'a rappelé nous Ronald Cadavre tout nèg sa yo donc qui était qu'on a bail en pile problème sous Jean-Bertrand Aristide nèg la valation. Eh bien parler de bandi yo donc nous voyons que la police avec
mission multinationale dans plusieurs opérations que yo a mené et yo te mené opération dans Torcel pour ka éliminer bandi sa yo mais il y a une vingtaine bandi que la police annonçait que yo envoyé dans pays sans chapeau et récupéré plusieurs armes téléphones tout ça que yo dit il y a une zone stratégique que bandi sa yo était occupé que la police arrivait pour contrôler malgré que on blindé la police ou bien force multinationale et qui coûtait plusieurs milliers de dollars qui boulait dans opération si là et zami donc zami famille noyo donc nous gagnons pour nous tourner sur dossier ça mais n'a prêté dans dossier les Steve Voltaire donc les Steve Voltaire qui récemment là qui était sorti en République dominicaine donc monsieur t'as semblé que Saint-Domingue c'est deuxième patrie parce que c'est là li là les dans docteur donc lui-même a touché presque 50 000 dollars américains selon taux du jour là n'a rappelé nos déclarations que Smith Augustin lui-même lui était fait dans ULCC qui baille comme quantité cob que lui-même a touché en dans ces pays donc monsieur et l'écul malade de qui pas dans pays hein parce que pas un docteur dans pays hein parce que il était créé à Haïti et fait que pas gagné l'hôpital fait que pas un docteur qui carite la donne parce que ganglé lui et bien c'est Saint-Domingue que l'ial prend soin donc avant scandale ça qui était passé dans Nations Unies c'est Saint-Domingue qui était sur pas son paquet de semaines t'a pris soin dans Saint-Domingue. Nous rappelons nous côté que dominicain ont été reproché Leslie Voltaire surtout après que gouvernement haïtien il pas voulu aller dans investiture président et Luis Abinader côté que nous te ouais que madame Dominique Dupuy te dit avec Luis Abinader donc faut que et haïtien yo ka bénéficier donc même bénéfice avec membre gouvernement et bien on te dit que bien même chemin que les Steve Voltaire était qu'on utiliser pour la prendre soin c'est même chemin ça que gouvernement a servi pour que pour te venir dans et pour te venir dans investiture là donc c'est ça que te répondre avec position madame non tout ça dit Dominique était toujours un problème avec position madame Dominique et dit puis que les Steve Voltaire c'est une et monde tout qui était toujours gailler on eh bien les Steve Voltaire récemment la sorti en Saint-Domingue et c'est là la prend soin donc nous connaissons si monsieur gagné bien l'autre bois c'est gagne caille et tout ça c'est le gagne en compte en banque l'autre bois ça les Steve Voltaire qui déjà gagne problème avec Dominique Dupuy n'a pas rappelé nous convocation que l'était fait avec Dominique Dupuy donc c'est premier ministre là qui était campé convocation ça malgré que nous monsieur Fabayon réplique avec un premier ministre là avec une lettre côté lire cadre premier ministre là et mais Lexi Voltaire était toujours montré que voulait révoquer madame Dominique Dupuy donc il pas besoin madame Dominique Dupuy non et ministre affaires dans tête ministre affaires étrangères mais on regarde Lexi Voltaire qui chita dans conseil présidentiel là et qui vient dans président conseil là et que avant selon résolution était sorti donc c'était 3 présidents que les Steve Voltaire pas même dans l'Islam c'était Smith Augustin et c'est Louis Gérard-Gilles c'était 3 présidents que conseil a gagné Edgar Leblanc fils Smith Augustin Louis Gérard-Gilles c'était 3 pour pendant toute en durée de transition nous voyons que Fritz Alphonse Jean t'est retiré tête libre il pas devenir président mais après rapport ULCC ou bien avant ça faut que nous rappelions que gagné une déclaration que les Steve Voltaire t'ai fait sur Gazette Haïti sur plateforme Gazette Haïti et que déclaration ça est toujours disponible ou qu'elle aller sur YouTube ou qu'elle aller sur X que on une déclaration ça est disponible que les Steve Voltaire t'ai déclaré automatiquement que ULCC joint Nexayo épinglé que il a pas retiré yo dans conseil là il a forcé yo démissionner et bien que pour que les Steve Voltaire lui-même ka et bénéficier pouvoir que il vinn gen li kounya et parce que li pa gen pour le président et bien pour le ka vinn président conseil là et bien li joine en entente avec 3 corrompus qui en tant que ULCC mandé action publique a été en mouvement contre 3 monsieur Sayo donc les Steve Voltaire li et joine yon résolution côté que li cohabiter avec 3 nèg que et ULCC qui sont une entité donc dans l'état qui mandé pour mettre 3 monsieur Sayo de côté. Donc li joine yon formule pour que li cohabiter avec 3 corrompus. Pendant ce temps, les Steve Voltaire gien problème
avec madame Dominique Dupuy qui en position qui défend haïtien qui a déporté qui pas respecté normes droit moun yo comme nous voyons que gagner opposition plurielle qui a annoncé une manifestation à partir du 17 octobre mais les nous gardons en dedans opposition plurielle non pas tellement ouais moun peut-être que peuple a fait confiance mais si nèg sa ka arrivé chavirer trois bagages sa yo qui gagnent dans tête pour voir que yo arrivé faire ancien sénateur Guy Philippe li dit que la plan dans mouvement ça nous espérer que tout fanatique Guy Philippe yo ta foulé béton ensemble avec que ta chavirer trois monsieur sa yo parce que ça a son scandale nous pas croire que nous supposé a garder sa yo dans figure moun toujours dans tête pays toujours. Ça a vrai, vraiment inacceptable pour ça que qu'a passé là. Donc les six Voltaire si que l'été voulait faire un bagage sérieux, premièrement ça l'a fait, il t'a révoqué trois conseillers que ULCC t'a demandé pour mettre de côté. Et après, il t'a regardé scandale qui t'a fait dans Nations Unies parce que il y a un peu de monde qui t'a ouais ça c'était un bagage qui était vraiment laide que Haïti était mal passé dans 79e assemblée générale dans Nations Unies. Donc tout le monde t'a admet ça et t'a bail Leslie Walder raison s'il t'a fait ça. Mais rivé Kounia c'est proposition madame là pour faire plaisir avec Luis Abinader seulement parce que ou pas qu'à aller Saint-Domingue ou peut pour pas qu'à aller Saint-Domingue pour aller prendre soin parce que c'est là qu'il va aller prendre soin. Ou bien peut-être ou gagne une deuxième résidence privée ou pas veut que vous perdi pour couper bien que ou gagne l'autre bord donc ça vraiment son scandale ça dit donc on demande que qui les que Haïti a gagne monde qui les Haïti a gagne un nèg qui gagne colonne vertébrale pour diriger une déclaration qui faite est en cours ministre premier ministre qui rentré qui joine et qui dit que il gagne un paquet de bagaille que il trouvé dans et non tourné lien donc nous allons inviter autant de déclarations que il était fait dans quelques bail jeune surtout pour la police là avec la médaille et que il jeune yon compagnie qui a fourni nos armes donc et chaque moment pour renouveler donc la quantité que nous besoin donc c'est pas seulement fin acheter et puis après pour aller chercher l'autre fournisseur encore donc toujours un fournisseur qui ca nous examen à chaque fois que nous besoin donc entendre des déclarations que premier ministre lui-même il était fait dans l'aéroport Toussaint Louverture là et après nous parler directement dans déclaration qui fait aujourd'hui à côté que et coalition a annoncé manifestation à partir du 17 octobre qui va venir là c'est un plus gros fabricant de d'armes et de munitions en zone là nous rencontrer avec toute équipe qui est responsable compagnie ça yo démontré nous toute une série de équipements que yo gagne que ka mettre à disposition nous et drones machines blindées armes automatiques et tant d'autres choses que yo même yo fabriqué qui capable à la disposition la police et l'armée et yo mandé nous pour très très rapidement nous faire liste de besoin nous pour nous ka gon flux régulier de type de matériel ça parce que c'est des matériels que Haïti pourra besoin sous le long terme. Le moi-même moi rentré moi joine que c'est chaque ad hoc nous gagne la police là dit besoin tel bagaille puis qu'on y a un gouvernement qui a lutté pour le côté pour l'acheter le qui bol ca joine ni comment la joine ni ça prend des mois pour y arriver un ben discussion à faire là je dis partenariat ça à permettre nous un flux régulier de matériel pour l'armée et la police incluant les pièces de rechange. Donc qu'on y a la côté nuit en phase ça nous vienne chita là avec l'armée la police pour dessiner ça au besoin pour nous entendre nous sur ça qui flux besoin n'a besoin pour nous retourner vers eux et puis pour eux même pour essayer accommoder nous mais discussion n'a pas arrêté là nous rencontrer tout responsable sécurité alimentaire Émirats Unis a un programme le plus extraordinaire de fermes 26 000 fermes à l'extérieur de pays et ils expriment un intérêt énorme pour entrer en discussion avec nous sur comment ils travaillent avec cultivateurs haïtiens pour nous capables relancer agriculture là. Et là encore, qu'on y a balancé l'encan panoulier pour nous venir travailler avec le ministère de l'Agriculture pays, pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet de propositions que nous avons évoquées. Donc, sécurité a été au centre de discussion, hein, mais nous garder tout, responsabilité nous gagner dans cette feuille de route là qui est liée à relève là. Nous faisons rencontre tout avec chef service d'intelligence pays. C'est un pays qui gagne service d'intelligence le plus sophistiqué au monde.
et yo gardé avec nous essentiellement qui ça n'a besoin, yo montrer nous solution que yo même yo gen la caillou, nous gen occasion visiter centre que yo même yo gen la caillou et yo paré pour venir travailler avec nous pour aider nous faire vetting dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous analyser et utiliser intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention nous beaucoup plus équipé. Encore une fois, conclusion en salier, c'est me promettre que ma retourner la caille moi déjà yo contacté moi. Ou t'as pensé c'est moi qui a contacté mais déjà yo entré en contact avec moi pour dire m'y attend nous avec impatience pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin pour eux même yo continuer à accompagner nous. L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux, c'est avec énergie, parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. Nous discutons sur comment eux-mêmes ont établi un partenariat avec nous pour nous capables de faire question énergie avancée. Et nous avons rapporté nous que vraiment l'enthousiasme pour nous aider. Maintenant, ballon, c'est l'encaïtien relié. Nous formons une équipe, capo équipe de suivi. Dans les prochains jours, nous parlerons pour nous définir exactement sa besoin dans chaque chapitre. Et évidemment, vice-président, l'engager lui-même pour l'assurer que il appuie nous. Là, tout ça, nous avons besoin dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Donc, en fin de compte, visite ça, c'est une visite vraiment que je suis très, très satisfait de lui. C'était à l'invitation de vice-président. Et je connais que le poil porter très rapidement des solutions à multiples problèmes nous gagnent. Parce que samedi, mais nous aider nous objectif là, c'est pour finir avec question insécurité de manière définitive. C'est pour être transitoire, c'est pour être temporaire et le passer par un cheminement bien précis. On appuie urgent à la police et à l'armée d'Haïti en termes de ressources à la fois humaines et à la fois ressources matérielles. Ressources ça lui-même, il commence à venir, faut le continuer à venir. On a compté sur l'autre pays qui engagé pour ban nos forces pour venir en Haïti le plus rapidement que possible pour consolider et appuyer police là. Progressivement nous même n'a construit force nous à propre capacité nous pour nous assurer nous de durabilité intervention qu'a bien et tout ça c'est pas dans fin on pense à eux c'est dans début qu'on pense à eux là nous saute là qu'on a nous traverser Kenya nous connaît que président Ruto fait preuve d'une solidarité extraordinaire il voyait 400 policiers qu'il a avec nous déjà et m'a fait nous même un combat qui est très important. Normalement, l'engagement, c'était pour 1000 policiers kenyans, mais le chiffre total que nous avons cherché, je m'en rappelle, c'est 2500. Donc, en fait, 400 euros en phase qui est arrivée pre-deployment. Mais malgré tout, il n'y a pas de déployer net, nous voyons que 400 kenyans qui l'ont engagé à côté de la police dans une série d'opérations, non seulement à Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince. Donc, il y a déjà pleinement à Gouméo à côté de nous. Donc, il fallait que nous allions, que nous avons une discussion avec elle sur la prochaine étape. Sous stratégie nous pour mobiliser communauté internationale là, sous la rapidité des déploiements de 600 lots policiers qui étaient promis pour me visiter troupes eux-mêmes et mal en centre côté que monsieur et dame a formé moi rendre moins compte de qui type de formation que a eu gagné moi rencontrer par exemple des haïtiens qui a aidé la formation créole et m'assurer que y a formé y a paré pour déployer en Haïti dans les prochaines semaines donc attendons avec impatience pour venir renforcer nous entre-temps nous continuer faire des appels pour assurer que jamaïcain opté pour mettre nous mon vini j'aime ça dire tout à l'heure Salvador qui promet nous mon a vini l'autre pays dans Caraïbes là qui te promet nous mon a vini pour que dans les prochaines semaines nous gain pleine capacité pour accompagner police avec l'armée nous général Derby avec DGDM là pour nous capable continuer à avancer sous monsieur Gagnon qui kembe pays en otage pendant beaucoup trop de temps. Donc en gros, évidemment, pendant nous l'autre bois, nous sommes en contact continu avec chef police là, commandant chef l'armée. Nous suivons de près plusieurs opérations qui sont en cours. Et nous avons déjà annoncé nous qu'à midi jeudi, chef police là pour aller à une conférence de presse sur l'opération que lui-même a appuyé par force qu'il y a mené hier. Et nous croyons tout que quelqu'un pourra présenter nous exactement qui s'est sorti de l'opération Saham, qui est important pour nous là pour nous couvrir. La parler nous de tout de l'autre opération qu'a faite l'armée en même temps, incluant qu'a faite la zone Gonaïve comme nous connaissons, qu'a faite la zone Grécier comme nous connaissons, opération qu'a faite la Kouniato pour renforcer et protéger port, évidemment opération qu'a faite tous les jours pour aller chercher bandits au côté pour nous assurer que yo pas à l'aise et yo connaît que la police derrière. Donc en gros, mais comment voyage l'a passé très concrètement, beaucoup plus rapidement que prévu, nous supposons gain 600 policiers kenyans qui ont venu renforcer la contingence qui a mis la mille. Nous parler et président Ruto après les pour assurer que l'autre promesse de contingent arrive tout le plus rapidement possible.
Ça a renforcé la capacité de réponse, nous, multiplié par au moins 2-3 dans les prochains jours, ce qui est excessivement important pour nous. Nous avons un nouveau allié, un nouveau partenaire, qui c'est les Émirats Unis, qui ont même tout décidé de comprendre besoin de nous et qui ont engagé pour accompagner nous, pour nous donner ce qu'il faut pour que la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti beaucoup plus efficace, soient beaucoup plus efficaces pour faire face à la menace captanio. Et puis, troisièmement, j'aime dire, nous, le paquet de secteurs qui est clé pour nous, quand pour sécurité alimentaire, quand pour énergie, quand pour intelligence, et protection des frontières. Nous avons 4 domaines importants côté Émirats Unis. Nous avons une expertise énorme, nous avons des capacités énormes, nous avons des technologies énormes. Dans 4 domaines, tout en plus de sécurité, nous avons engagé nous pour le plus rapidement possible. C'était le Premier ministre Gary Conille, les amis familles. Donc, Gary Conille, qui est dans le pays et qui a présenté dans le conseil présidentiel, dans la convocation que Leslie Voltaire fait, et pour l'explication de voyage, ça, bilan voyage, qui s'accueille le poté, et tout, sous révocation, ministre des Affaires étrangères, pour de respectant lui, et comme quoi, il campé en face des Dominicains qui ont déporté Haïtiens. Donc, quoi dire, qui s'accueille le pensé, donc, de M. Sayo, de ça qu'il a fait dans tête à pays. Position plurielle, donc, aujourd'hui, on quitte en conférence en presse, côté que nous Jean-Tel Joseph qui annonce une manifestation à partir de 17 parce que nous avons vu que Jean-Tel Joseph qui s'est allié de Guy Philippe. Guy Philippe a déjà annoncé ça. Nous avons rencontré que il était fait dans Grand Danse. Eh bien, je vous dis, dans Port-au-Prince, nous avons monsieur opposition plurielle. Donc, il a annoncé qu'à partir de 17, il a demandé pour tout le monde de venir rejoindre. Venir rejoindre sous béton 1, donc pour retirer Nexayo dans tel pays. Donc peut-être avec ça qui passait là et non et démarche à ça que les Voltaire gagnent donc nous est que peut-être un peuple a une bon raison et surtout avec la montée violence que nèg ça depuis là que là au projet me café en rien pendant que et transition ça y a trois grands sentiers que ont gagné c'était mettre sécurité donc organiser élection pour renouveler donc institution l'état pour faire remembrer l'état encore que pas jamais fait et puis donc remanier constitution jusqu'à présent donc sécurité qui c'est bagaille qui plus et qui bagaille qui pi bas qui pi basique là qui plus urgent il pas jamais arriver faire entendez monsieur opposition yo donc qui ça que yo gagné nous n'a déjà coutyo pour 17 octobre cap vini là journée 17 octobre là pour opposition plurielle là à yon journée historique n'a refait l'histoire moi voulez nous chaque qui là rappelez-nous de l'importance Jean-Jacques Dessalines dans l'histoire du pays. Nous tous là, nous avons chance de faire philo. Nous avons pris le temps pour nous étudier l'idéal de Salinien. Nous comprenons. Nous avons que M. Sarr. C'est ton rêveur. Monsieur Sarr, c'est ton visionnaire. Monsieur Sarr, c'est un nègre. Bien que depuis 1804, l'idée lio de traverser les frontières. Je dis, moi fier en tant que descendant de Dessalines, haïtien. Dit de sa ligne, c'était le père des rois de l'homme. C'était seul garçon qui était campé comme monde, comme dirigeant, pour te dire, quel que soit coteau, il est sous la terre ou il est esclave, pour entrer à Haïti au livre. Quel que soit coteau, il est sous la terre ou esclave, pour Haïti au livre. Je dis, hein, il n'est plus. C'est nous là, nous-mêmes, nous tous qui là, c'est nous qui représentons. Et nous faisons pour fiers, pour nous camper. Un digne héritier de Jean-Jacques Dessalines, pour nous continuer à défendre l'idéal Lio. Pour nous continuer à camper en rempart contre
tout bronzé, contre tout comploteur qui choisit pour Haïti pas faire un pas qui t'a un pas nago pour montrer nous-mêmes, nous pas dignes pour nous un peuple. Et pour raison ça, nous autres de l'opposition plurielle, nous l'ajoutons. Nous venons dire à grand public là que 17 octobre, nous avons fait une journée spéciale pour Papa Nation. Dans la matinée du 7 octobre, à 7h du matin, nous invitons grand public là, la presse en général, dans une messe spéciale que nous avons organisée pour Papa Nation. Pour garçon, quand son te bail nation, ça a des sens. Mais ça, l'a suivi de mon tédé homme qui a fait dans l'église Christoir. À 7h. La presse en général est invitée. À 10h, la population en général nous invite. Pour nous fouler béton, quel que soit côtoyé sous terre, ou fouler béton comme garçon, comme femme. Moi-même, chaque jour, je dois sortir dans le ciel. Je regarde l'humiliation que frère, que sème, que frère, que sœur, les amis, les cousins, les cousins, à vivre ce domaine. Ce n'est pas pour ça que ça l'inté. Non! Je dis un bavlé, on a dit, c'est politicien qui a défendu l'intérêt personnel, l'intérêt du groupe. Je dis en son question de Haïti qui envoie des disparitions. Yes. Son question de Haïti qui est au bord de l'abîme. Tous les nationaux, tous les citoyens haïtiens, toutes les citoyennes haïtiennes doivent camper debout. Premièrement, pour nous goûter contre Konze. Mais c'est nous qui nous a Konze. Konze, c'est Gary Koni. Qui par honte comme un haïtien qui vient représenter le système qui a dominé. Moun qui te réduit nous en esclavage. C'est yo qui je dis vient prendre responsabilité. Que yo di yo ka met l'ordre, yo ka met sécurité dans le pays. Yo ka fait haïtien revivre à les jeunes te kounye dans le temps. Et pour yo travail pour gen progrès social, progrès économique, progrès politique. Et qui connaît bien, c'est pété ou vin pété. Nous besoin des haïtiens pour camper dans figure à la manière de nous autres de l'opposition plurielle. Pour dire non. Nous ne pouvons pas accepter qu'on se permette de venir dans l'ordre dans le pays encore. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Nous sommes au corps. Nous pas besoin d'esclaves des champs. Aucun esclave des champs. Forcez nous être la caille nous. Faut nous sortir. Pour nous tirer sur nous. Pour nous mourir. Pour le bien de la patrie. Pour la fierté de nos ancêtres. Qui ça s'aïtil moi pour m'a vivre, pour m'a manger, pour me sentir bien pendant que frère nous a dormi à la belle étoile. A qui ça s'aïtil moi pour m'a fier pour douce journaliste, pour douce leader politique, pour douce bloc des avocats, pour douce prêtre, pour ingénieur, pour étudiant, pour peuple pour vivre dans la classe. C'est pas possible, c'est pas possible. Est-ce qu'on doit vivre comme ça? Inacceptable. Non. Je veux dire, c'est tout haïtien, généralement, quelconque, qui invité dans un grand combat pour libérer Haïti. Et c'est nous qu'on est. Au début de 1803, tous les haïtiens, toutes les haïtiennes étaient des soldats. Est-ce que nous appelons ça?
au début de 1803, toutes les Haïtiennes, tous les Haïtiens étaient des nationaux, des défenseurs de la souveraineté, des défenseurs pour l'indépendance. Je veux dire, nous autres, nous voulons que tout Haïtien, généralement quelconque, je sais des soldats, je sais des défenseurs de la souveraineté nationale. Nous connaissons qu'on est employé par ICOM contractuellement. Il dit 17 octobre, ça n'a pas assassiné, il n'a pas arrêté, ça n'a pas arrêté. Il y a mis des cachets. Ton est placé, mon Dieu. Nous demandons peuple là, mais quel que soit l'horizon qu'il y ait, ou dans le quartier populaire, nous dans nous sous béton. Ou dans la grande ville, nous dans nous sous béton. Ou ces policiers ou en congé, nous dans nous sous béton. Ou ces militaires ou en congé, nap dans nous sous béton. Ou ces BESAP ou en congé, nap dans nous sous béton. Ou ces journalistes, juste au pas de travail, nap dans nous sous béton. Parce que la défense de la souveraineté nationale, c'est une obligation pour chaque grain haïtien. Nap sorti dans la rue. Pour aller réclamer un mieux-être pour Haïtiens pareil. Je dis, nous entendons, sous chaque des Haïtiens, il y a un qui est en misère extrême. Est-ce qu'elle est possible? Non. Nous, chaque grain qui est là, nous ne pouvons pas compter dans la poche nous pour nous payer l'école petite. Nous. Pour nous prendre soin madame nous. Pour nous payer côté de l'abdomen. Eh bien, nous-mêmes, c'est micro, c'est caméra qui nous montre. Campez à côté nous pour nous défendre. Ou même qui dans la police. Malgré nous, goumé. Ou à goumé à droite, ou à goumé à gauche. Mais maman, papa, petit tout, toujours été dans le quartier populaire. Est-ce qu'on a grand en face nous, qui a goumé pour défendre nous? Nous disons non. 17 octobre, nous avons sorti pour nous dire. Et qui conseille qui dans tête pays, nous décidons pour nous tout nous pour libérer le pays. Ouais. Et des hommes et des femmes compétents qui prêts pour prendre engagement ça et des faits qui prennent engagement. Nous montrons la presse déjà. La doc qui a parlé de l'état d'urgence sécuritaire, là, que bilan. C'est plus zone territoire perdu. N'a dit au son bloc pillé, nous pas prendre bloc là, n'a pas sorti. Oui. M'a dit et monsieur dame, nous comprenons. Garry connu son bloc devant pays éternel. Qui permet de sous des salines, dit monsieur représentant blanc. Ne pas vous diriger là. Que mourir, que nous tous qui l'a mourir, que nous tous qui dans combat mourir pour nous dire c'est haïtien pour diriger Haïti. Même Jean, il était fait en 1915. Là, il a débarqué, il a occupé le territoire. Il a pris la Banque nationale, là, c'est comme ça, il a dit. Il a occupé la finance. Nous sommes intelligents pour nous comprendre que la finance du pays, c'est étranger qui contrôle. Nous voulons que nous comprenions, pas de plan pour renforcer la police. Nous voulons que nous comprenions, pas de plan pour renforcer l'armée. Je voulais que nous comprenions, pas un plan pour renforcer BESA pour défendre l'environnement. Je voulais que nous comprenions, pas un plan pour sauver le quartier populaire. Le plan de c'est exterminer tout le monde qui vit dans le quartier populaire. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Donc c'était Jean-Tel Joseph en déclaration que l'I fait jeudi en zami famille nous yo. Donc nous gagnons Rosemont Jean, ils sont militants, donc monsieur qui a appuyé et Guy Philippe qui a appuyé monsieur Réveil National yo, malgré que
gagné qui fait partie de frein frein qui c'est un parti politique que Guy Philippe mettait sous pied. Donc il dit que monsieur t'a gagné problème parce que avocat Guy Philippe t'a dit que il gagné division entre Réveil National avec et Guy Philippe. C'est ça que avocat Guy Philippe lui-même l'était déclaré dans presse, mais Guy Philippe toujours montré que lui-même avec Réveil National il pas gagné aucun problème. Donc il gagné Rosemont Jean qui et c'est allié Guy Philippe, eh bien, il fait même annonce ça, donc il mandé avec tout le monde et pour que yo sorti dans la rue pour y aller fouler béton pour que yo relé à bas de neuf monsieur Sayo. Surtout à partir de dernière résolution ça que yo prend pour conserver donc en trois corrompus Sayo que ILCC t'a demandé pour mettre dehors en dans conseil. Eh bien, t'as des déclarations que Rosemont Jean lui-même l'y fait dans le micro à Noël Akay. Dans l'objectif pour nous supporter et annoncer grand qu'aucune chaîne manifestation avec fermeté pour jour, comme j'ai dit, 17 octobre, qui marquait commémoration assassinat empereur Jean-Jacques Dessalines. Nous invitons femmes, garçons voyants, femmes voyants. Nous invitons militants. Nous pas inviter militants. Nous pas inviter ouvriers. Nous invitons monde qui concerné par situation ça que pays a connaît aujourd'hui. Manifestation, c'est une manifestation pour nous dire non. À 6 membres créés qui prennent résolution pour arrêter notre pays malgré dans 3 ans, une institution que tout le monde t'attend pour du rapport pour dire est-ce que vous avez indexé vraiment, est-ce que c'est oui, mais vous avez fait sur vous, est-ce que c'est vrai ou non. Eh bien, institution qui est le LCCA, mettez un rapport de vous. Dans le rapport, vous voyez. Trois mousquetaires, trois braqués, en devant criminel, en le parquet, pour que le parquet soit capable de tendre, pour que le parquet mette l'action publique en mouvement contre eux. Ça, monsieur, vous faites, vous décidez vous-même, après décision de l'ILCCA, ils ont décidé de prendre résolution sur ce scandale. Et de fait, nous dénoncer ce scandale ça, pour que trois petits volets qui décident de prendre résolution pour dire la prêter comme président, comme membre du conseil présidentiel, alors qu'il y a une institution qui prend décision, qui voit délinquant à le juger. Monsieur Nomil Rameau, vous connaissez son père de famille. Papa, où est comment papa disparaît? Dans la bataille où tu es pour pays, où est comment papa perdit? Ou frappé par l'insécurité tout. Monsieur Nomil Rambo, avant tu es venu directeur général de la police, ou ton citoyen, l'autre pas directeur général de la police encore, ou pas l'autre citoyen, ou pas venu civil encore. Ou bien nécessité quand on est dans la tête de police, monsieur Nomil Rambo, pour payer un coup de main. Coute nous mandé ou. L'inacceptable pour nous manifester. Nous pas bouer roche. Nous pas craser, nous pas gen zam et vi pour la police a utiliser blendel, a utiliser zam que taxe nous bali. L'argent nous ka payer policier et vi pour policier a vinn faire répression sur moun ka manifester, ka mandé yon l'autre condition la vie, ka mandé droit pour yo vivre, droit à la sécurité, droit à la santé. Droit au libre circulation, droit au logement, et puis au lieu la police accompagne Mounio pour ces répressions, pour la police vienne faire celle avec Bandi pour faire répression sur Mounsao. Nous demandons, de fait, nous écrit directeur général de la police, hein, nous notifier conformément à la loi parce que la loi dit notifier. Vous comprenez pour qui ça? Chaque directeur général de la police qui finit faire représailles, finit faire des ordres, commandant le fini, soit ouvrir le Canada, ouvrir l'OEA, ouvrir un côté. Nous pensons qu'on joue ça.
nous demander contribution au directeur général de la police. Parce que manifestation 17 octobre là, c'est une manifestation dignité pour dignité nous. C'est une manifestation pour nous dire non à mode de violence. La République dominicaine a exercé sous compatriotes nous qui la caillou. En même temps tout. Nous pas faire manifestation pour nous dire dominicain pas voyer haïtien tourner. Dominicain, la République dominicaine gain droit pour mettre l'ordre la caille. Nous pas qu'à décider nous pour au lieu nous camper pour nous goumer pour nous défendre pays nous va envahir la République dominicaine. Nous allons pour envahir l'autre pays. Nous que pour nous camper pour nous goumer pour nous mettre l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Pour nous mettre chef d'état qui gagne colonne vertébrale. Pour nous mettre premier ministre qui gagne qualité, qui gagne qui pague grenzan nos carrefèves, qui doté de un minimum de prise de conscience et qui a une capacité technique pour aborder situation pays pour créer conditions pour vivre la caille. Ou prendre la rue, ou quitter on pile on sait de faux artistes, pédéras, prendre la rue avant tant qu'ils isolant, à la bas pour diadique, vin forelé, si Jovenel parle, ou ap mouri. Jodi a kote wal mouri la, c'est domen ou bien la caille ou ap mouri. Ou te dit, Jojo dormi de yo, ou n'y a kote wap dormi la, n'da caille, ou ap dormi sous tête bois, pour ap veye ki la bandi ap en vayou. Pas vrai? Alors que si Jovenel te vin fait cette point là, faire élection au béton président, tap non si de stabilité, la paix, pays a tap continue vivre. Eh bien, jodi a, nous même nous dénoncer violence physique, de toute sorte que immigration la République dominicaine a fait sous, mais nous demandons de façon volontaire pour avoir valise ou, puisque vous avez dû mettre dehors, avant de venir et puis nous avons préparé valise ou, dignement pour rentrer la caillou. Rentrez vin goumen, rentrez pour vin goumen pour pays de Saline, ça te quitte pour vous. Pas que pi bon pays qui est là, c'est où ta poupe a poussé de Dominicain. Dominicain pas de statut, Dominicain pas de histoire, Dominicain pas de passé glorieux. Et puis je dis à pour aller faire esclave dominicain. Hein? C'est le dernier bagage pour me dire, pour me esclave. Mal tourné, mal fait esclavage en République dominicaine. Soit elle fait ça, l'image qui vient de nous, c'est l'image côté où nous esclaves. Eh bien, viens la caille nous. Et nous demandons, femmes, garçons, 17 octobre, en nous toutes descendons, en bas lumière la lune, 9h du matin, marcher avec petit patou, col gâteau dans le prochain. Marcher avec grain citron, marcher avec bouteille coca. Parce que l'air au bon gaz, nous pas courir pour gaz là. Nous courir pour nous replier, c'est pour nous regrouper, c'est pour nous faire résistance. Manifestation 17 octobre là, fait pour son manifestation, déclencher hostilité. Il faut nous déclencher hostilité. Gouvernement qui là, c'est un gouvernement inconstitutionnel, qui n'est pas légal. Gary Conny, pas même des cartes d'identification nationale. 12 ans de yon pays ya, yon menen vin la, la vole te coup par roquette qui prenne l'huile chaud. Jodi ya, ni pas normal pour la police noua, police nationale noua, pour la mède Haïti nou, pour yon kite de moun, ke pa gen ni qualité, ni droit, ni qualité, à utiliser yon pour faire répression sous de moun kap mende droit pour yon le organe, droit pour yon kapasse à l'okai, droit pour yon kapasse à l'okap, droit yon kapasse quoi de bouquet. Doit yo ka retourner en bas la ville là, al fait petit commerce yo, yo pas de kon vivre de l'état, yo ka prendre soin petit yo. Doit pour l'école relouvri. Gouvernement dit l'ouvre l'école et pas vrai de trois grand petit côté, tout petit moun yo chita la caille. Peuple haïtien. Ou pas nan pi bon soin que peuple français qui organisé tête en gilet jaune qui te fait face carré à Macron. Ou pas nan pi bon soin que peuple New York qui rentre dans Capitole. Ou pas dans plus bon soin que peuple Brésil, ou pas dans plus bon soin que Silanke. Silanke, nous tout ouais, comment yo prend la rue et puis on failli. Puis yo permet yo respecter droit yo. Nous pas dans plus bon soin que peuple Burkina Faso qui accompagne Ibrahim Traoré, je dis à mes côtés. Ou pas dans plus bon soin peuple haïtien que peuple Nigeria. Qui jodi a accompagné président qui permet côté ya. Eh bien ni ou même tout la police policier pa nou yo policier nous constater nous prend balle dans pied n'a mouri pour soin
Nous prenons police soit prend balle dans pied, il y a la gueule dans l'hôpital Fondeblanc, mouri pour peut-être soin pour 300 pour $300. $300 et puis m'a manifesté pour vous, eh bien au moins accompagnez-nous. Nous demandons accompagnement à la police publiquement pour manifestation 17 octobre là, Jean commandant Guy Philippe m'a dit ça. Imaginez-nous. Hein? Yo mettez yo arrêté Guy Philippe à l'humilier Guy Philippe. C'était Rose Mongeon, zami famille à Noël Lacayo, donc qui fait gros déclaration et sous monsieur conseil présidentiel yo et surtout à partir de 17 octobre là que yo annoncé que yo pral foulé béton et yo voulait que en pile moun accompagne yo. Nous connaît que dernier moment ça que moun yo pas remé sorti et surtout avec la police qui toujours campé en face yo qui est toujours pas avlé yo manifester qui pas avlé yo sorti frustration yo parce que nous la police toujours et a craser manifestation avec gaz nous moun yo toujours pas sorti et surtout ça qui sont passé avec opposition les André Michel SDP qui était en face à Jovenel Moïse qui était fait nous prend Jovenel Moïse en tant que yon bête noire pendant c'est après l'amol n'après qui est-ce que Jovenel Moïse lui-même l'était en pile monde vinn remè Jovenel par rapport avec ça que nèg opposition yo même a pas présenté. Eh bien, à partir de ça que nèg CPT ça yo a présenté, nous pensons que nos peuples ta supposé joindre yon pagay pour que yo sorti dans la rue hein. Donc pour qu'il déchouquer monsieur Sayo donc pour mettre yo terre. Donc quoi dit-moi ça que vous pensez dans un commentaire en bas vidéo hein. Donc si que ou pourquoi abonner avec channel là nous invité ou abonner. Pèsez bouton de notification pour pas rater aucune vidéo pour qu'avine fait partie de famille à Noël Akay et nous saluer tous amis nous qui un peu partout dans monde qui a pris si travail que n'a fait et qui t'a moi-même. On va prochainement dans prochaine vidéo qui apparaîtra sous écran que moi invité ou cliquez connia.